Roxane! Son panneau, ouais! J'arrive! On peut aller au marché, tu fais comme si on partait à ton mariage. Moi, je vais partir te laisser! Je pars de marcher si j'arrive! C'est qui? C'est qui? Ouais, ouvre-moi la porte, non? Ça, c'est comment? Il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est l'esprit qui parle là-bas déjà. Brenda, tu veux quoi? Oui, tu ouvres ta porte. C'est comme ça qu'on appelle les gens ici chez vous. Les gens, c'est qui? Tu t'appelles Jeanne? Je m'appelle Némi. Ouvre alors. François, ici, non. Je suis sûre que tu ne peux pas avoir le cœur de me laisser dire. Ah, par exemple, c'est ton idée. Le paradis, c'est quoi avec ton empreinte? C'est quoi avec toi? François n'est pas ici. Je ne suis pas venue chercher François. Je suis venue pour un problème plus important que François. Chaque jour. C'est vrai que François est quand même important. Maintenant, tu es devenue parisienne. C'est quoi ton... Pourquoi tu portes les lunettes? Pourquoi tu parles mes choses? On est plus sous le soleil, donc je peux enlever tes lunettes. Hey! Brenda! Quoi? Tu as reçu le marteau de Thor sur la figure. C'est quoi qui est rouge dans ton œil comme ça? Ouais, Laetitia, laisse. Ce sont les bandits. Regarde, on veut m'agresser. Moi, Némi, regarde tous les muscles. C'est là, ils veulent m'agresser. Ah, ce que j'ai fait, non, Laetitia. J'ai tapé les gars, là. C'est-à-dire que Laura est venu, il va arracher mon téléphone. Mon téléphone, ça. Regarde, il va arracher mon téléphone. Il a bousculé comme ça le téléphone, non, Laetitia. Il allait tomber de l'autre côté. J'ai ramassé l'autre, j'ai raclé, il est tombé. Maintenant, Laura revenait comme ça, il est bousculé. Tellement j'ai bousculé avec la force, non. Il est revenu comme ça, là. Sa tête a tapé mon œil comme ça, pim. Comme vous voyez là. Maintenant, comme je voulais fuir, non. L'autre qui venait, non. Attends un peu. Ton histoire était assez intéressante, tu vois. Coup de poing, coup de pied. Jusqu'à ce que tu as fait un ralenti sur François. C'était une erreur. Faisait partie de tes agresseurs. Il a paru comme le marabout et il voulait te sauver. Ouais, c'était une erreur. Vous savez que j'aime tellement François que je le vois dans tout ce que je fais. C'était que c'est le fait donc que quelqu'un je... a fait te boxer ton œil. Un bandit. Tu vois François en lui. Va peur, ya. Brenda, pourquoi tu mens comme ça? Et si tu vois la fesse, c'est pour ça que François l'a quitté. Parce qu'elle est menti. Je dis qu'elle ment. C'est la chute, Brenda. Ouais, ça va. Tu ne peux pas changer dans ta vie là. Ouais, ça va, non. Je vais dire la vérité. Ah, dans ma tête, ouais, ouais. Eh ouais. En fait, maman, qui a boxé ton œil? En fait, c'est que comme j'étais en train de bateau marcher, vous voyez un peu. Et j'ai vu François, il était avec une fille, une maigre fille comme ça, Laetitia. Quand je m'approche de lui, je dis mon François. Il me dit que pourquoi tu m'appelles ton François? Je ne suis pas ton François. Ah, on se connaît. Je dis, hein? Attends, on ne se connaît pas, François. Il me dit que pendant le titre de ma vie, je lui dis que ça fait ce maigre machine que tu me trompes. Tu m'as d'abord trompé avec Laetitia. J'ai laissé. Je devais bien la casser. Mais j'ai laissé. Maintenant, ça fait le machine, c'est que tu me trompes. C'est comme ça que la fille, elle vient et me dit tu m'appelles machine, Laetitia. Elle me cravate comme ça, là. Elle me dit tu m'appelles machine. Quand je lui donne une baffe, paille. Elle me racle, Laetitia. Je tombe au sol. Le maigre machine te racle. Laetitia, regarde ma tête. Regarde ma tête, Laetitia. Elle m'a attrapé par les cheveux et l'a tiré. Comme j'ai une chevelure très fragile, elle a tiré jusqu'à arracher mes cheveux. Regarde mon œil. Au lieu que François me défende, François dit que non, c'est une bandite. Je voulais agresser sa petite amie, c'est pour ça qu'elle m'a tapé comme ça. Laetitia, je souffre à Yaoundé. Mon homme se doit rentrer au village. C'est mieux, hein? Mmh. C'est mieux que tu rentres au village. Parce que je ne comprends pas ton comportement, Brenda. Attends, il faut qu'on aille étape par étape, hein.
C'est toi qui avais raison, mais... François a dit quoi? Qui n'était pas dans la ville, non? Qui n'était pas dans la ville? Donc, le gars nous a menti. Il nous a menti. De toutes les façons, ça nous concerne. Je t'ai dit que je n'aime pas François. Ça ne nous concerne pas. Qu'il soit dans la ville ou pas. Vous êtes en train de parler de vos problèmes. Ça va, on revient sur toi, non? J'ai dit qu'on n'aille pas à part. Ça va, donc François est dans la ville. Il est dans la ville. Il nous a menti. On ne sait pas pourquoi. De toutes les façons, comme j'ai dit, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne. J'ai utilisé mon crédit pour appeler François. Tais-toi. Je me rembourse. Roxane sort déjà avec le fils d'un ministre Brenda. Hé, Roxane. Bon, on va revenir ça après. Brenda. Ouais, Letty. Le fils d'un ministre n'a pas de frère. Tu n'es pas le fils d'un ministre. Elle t'a menti. Eh ouais. Peut-être que c'est ça le remède. Il faut lui donner aussi le fils d'un ministre pour qu'elle oublie François. Ah bon. Brenda, c'est-à-dire que tu es partie bagarrer avec une fille. Tu l'appelles maigre. Mais regarde ce qu'elle t'a fait. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Une petite soeur. Le plus grave, c'est qu'elle a dit que... C'est le genre de fille qu'on appelle Spiderman. Tcha tcha. Tu regardes trop la télé. Elle a dit que partout, elle va me trouver. Elle va me broyer comme ça. Toi, tu penses à quoi? Elle ne peut même plus marcher seule à vie. Elle va te comme les arachides. Et là, comment tu es devenue laide, Brenda? Tu es devenue comme une fille du village. Non, mes filles du village sont très belles aujourd'hui. Tu es devenue comme une fille de Mars. Letty, ça arrête. Jupiter. Ça ne doit pas te donner. Si tu voulais m'insulter depuis, il fallait me dire que je suis laide. Platon, parce c'est que de ma faute. Platon n'existe plus. Même quoi? Brenda. Brenda. Tu es venue là comme ça. On n'a pas beaucoup de temps. On était en train de sortir. Donc, ton histoire est rocambolesque. Digne d'un film hollywoodien. Hein? C'est très intéressant. On est vraiment désolé pour ce qui t'arrive. Si tu as besoin de transport pour rentrer au village, forcément, nous, on va se battre, on va cotiser. Bon. Tu vas prendre le Jimmy, c'est pour la fin de mi que. Tais-toi vite. Ça ne te concerne pas. Ça, je dois aller à l'hôpital. Je dois me trouver un gars. Hey, tais-toi. Tais-toi, c'est plus grave. Ne me dis plus, tais-toi, je suis ta grande soeur. Comment tu vas me m'éduquer la fille là? Je dois trouver un gars du corps. Je ne peux plus marcher seule. Avec l'argent de la lettre de l'enfant. Et non, ton problème dedans, c'est combien? Mais trouve-moi quelque chose, non? Attends, tu es venu nous dire qu'on t'a agressé. Bref, que tu es parti chercher la bagarre, on t'a tapé. Ou tu es venu nous dire que tu as besoin d'argent. Brenda, tu as vu ta mère ici? Avec tous les problèmes que tu m'as causés dans la vie ces derniers jours-ci, ces derniers mois-ci. Laetitia, arrête! Laetitia, arrête! Arrête, Laetitia, parce que moi, ça y est, c'est à cause de toi! Laetitia, tout ce qui m'arrive, c'est à cause de toi! Hey. C'est toi le problème! J'ai fait quoi? C'est toi! J'ai fait quoi, mamie? Tu avais d'abord couché avec son François, pourquoi, Laetitia? Pourquoi tu reviens sur ce sujet-là? On n'est pas en train de parler de ça! On est en train de parler de Némi qui est partie agresser une maigre fille! Et puis la maigre fille-là, elle est tordue comme ça, là! Tu sais quoi, on va passer le bal de Balmayo là, il va te dire. Vous partez où encore? On est en train de partir, ouais. Parti, tu as vu les gens le matin, on peut marcher. Bon, moi je reste alors ici. Tu restes où? Dans la maison qui? Sors, sors. Alors, ramasse tes choses des parisiennes là. On sort. Comment on sort là? Tu prends ton taxi, on prend pour nous. Non, vous ne vous inquiétez même pas de moi. On a dit qu'on est désolé, non. On va continuer. Moi je ne peux pas marcher seule. On va t'acheter l'huile pour que tes cheveux repoussent, ça va. On va acheter ça. Vous partez où déjà là? On peut marcher, non? Ouais. Mais on vous accompagne, non? On fait quoi? Vous partez d'abord faire quoi? On peut acheter les choses du bébé. Qu'est-ce qu'il fallait que vous disiez, non? On peut acheter les choses du bébé. Tu sais que j'ai déjà accouché, non? Et je peux t'aider. Tu peux m'aider à faire quoi? À choisir. Je sais faire le bon choix, Letty. Le bon choix de quoi? De la bagarre. Pardon, mais on ne marche pas avec les bagarreuses. Tu ne manges pas les bagarreuses. Pardon, vous voulez que je marche? Je ne pas, non, ne me faites pas ça. Je ne peux pas marcher seule. C'est mon vaut moins avec deux filles comme ça. Là. Elle aura peur. Elle ne peut nous, pas ça. Mais quoi? Brenda, speed woman, non. Tu nous as d'abord posé beaucoup trop de problèmes. Mais nous, on n'a pas la force. Oui, Laetitia, vous m'amenez où je reste moi, ici. Pas la force. Vous m'amenez où je ne bouge pas. Si à lui à la douche, je ne peux pas prendre mon pain, je m'allonge. Je ne bouge pas. Hey! J'ai vu la mort, j'ai vu les anges. Ton coucou, tu vois, j'ai vu les anges. J'ai même vu mon grand frère passer comme ça, me faire ça comme ça. J'ai seulement dit que non, grand frère, je veux pas encore mourir. Oui, il m'appelait. Je suis morte. Je suis encore. Allez, parlons sur le camp. Tu aimes trop regarder les films. Elle est pas en train de raconter un film, elle racontait sa vie. Tout
tout ça, c'est à cause de toi. C'est parce que tu aimes trop les problèmes. Et tu aimes trop mentir. Vrai, vrai. Qu'est-ce que ça me fait? François et toi, là, même vraiment. Hein. Vous vous les amenez, vous mentez trop, vous deux là. François, non, tu as ramassé. Il nous a menti. Il m'a ramassé. Comme tu as ramassé mon crochet, tu sais. Comment je vous accompagne? Et tu en parles ici? Tu ne nous accompagnes pas, tu n'aimes pas la blague du transport. Oui, ma chérie. Moi, je n'aime pas moi les vidéos comme ça. Normalement, je n'aime pas moi. Je n'aime pas quand ma vie se conflit comme ça. Je n'aime pas moi. Moi, j'étais ici là tranquillement, tranquille ici à Yaoundé. Vous avez débarqué dans ma vie comme les mauvais esprits. Tu es en train de bavarder pendant que les femmes sont en train de choisir les bons trucs là pour marcher. Sortez. Vous allez faire comme ça. Je me souviens de ce que vous allez faire comme ça. Vous allez me mettre à la porte. Avancez pas ensemble. Il y a les autres bonheurs. Elle est où? Dana, on te cherche. Oui. Acheté, on n'avait pas encore pu regarder. Ne déchirez rien là-bas. Comme si l'enfant va porter les habits là dans le plastique. Tout le monde fait quoi? C'est l'habit d'un garçon. L'habit d'un garçon est chose bizarre. C'est l'habit d'un garçon. Pourquoi tu as pris le militaire? Fais prendre plutôt le rose. Moi j'aime ça. C'est joli juste ça. Donc tu as déjà vu. Ça c'est le complet. Moi, tu n'es même pas à côté d'accoucher. Moi, je peux encore regarder parce qu'il peut dire que je vais encore bientôt accoucher. Tu ne vas pas accoucher. Pardon, ne me stressez pas. Hein? Voilà. Voilà les caleçons là. Je vous ai bien dit qu'on prend le paquet. Mais il fallait prendre le rose. Ah. Le rose de quoi? C'est quoi? C'est avec le rose, non? Rose. C'est quoi? C'est une fille. C'est la poupée Barbie. Tout ce qui est rose ici là, tu le vois pas. Rose. Ta chambre est normal, rose. Lui, la chambre doit être rose. Voilà le rose. Ça va, non? Ça là, c'est ce qu'on va lui mettre dès qu'il va sortir. Dès qu'elle va sortir du ventre. C'est à confondre. Bon, ça, c'est un enfant. Il va aussi prendre le rose comme ça, non? Oui, c'est une chambre, non? C'est même plus avec rose, non? C'est une fille. Et ça fait quoi? Tu ne sais pas que l'échographie te trompe. Ah. On peut faire ça le jour là, j'accouche même les jumeaux. Hein. Oui. Tu blagues. Ah. Tu ne sais pas ce qui arrive ici dehors. Vous commencez même déjà à m'énerver. C'est bien comme ça. Ça fait quoi? Il ne met pas la serviette que tu voulais d'abord prendre là. Moi, on va encore prendre deux autres serviettes. Mais c'est un peu non. C'est quoi? Pourquoi tu viens de toucher les choses comme ça? Ne donne pas ça à Brenda. Je vais t'appeler en face. Moi, je vais partir. Tu ne vas pas rester avec ça ici. Laisse d'abord. Tu me connais. Tu ne vas pas l'abandonner pour quoi? C'est
ça sent bon, non? Jusqu'à. Je sens aussi. Aïe. Tu sens où le parfum là? Tout ça me donne envie d'accoucher à nouveau. On a plus de parfum. Regarde les petits pieds aussi. Bon, c'est petit. Après, alors, on va la tourner là-bas. Mettez-moi d'abord mes cheveux. Ça sent bon jusqu'à quelle. Et j'ai seulement envie de me laver avec elle. Tu vas pas te laver. Venir ici un jour que Brenda a appris les choses de l'argent. Je ne suis pas Changou, Je ne suis pas Changou. Il ne faut pas confondre les gens. Heureusement que ta ça qui n'est pas là. Même les choses de mon enfant, vous voulez quitter tout ça. Je peux l'entrer bébé. Vous pouvez voir les choses comme ça. Ça me dit si Dieu m'a envie de devenir bébé à nouveau. Devenir bébé. Maman, ne déchire pas le plastique là. Ok. Donc, ça, les chapeaux. Avec les gants. La fleur. Moi, ce que vous dites, c'est le rose, rose. C'est la fleur. On t'a maudit avec le rose là-bas avec ça. Et tu peux me voir le blanc avec ça. C'est joli. Regardez si c'est aussi joli. Non. Oui, ça, c'est joli. Ah, non, regarde la fleur. Aïe. Oh. Il y a la perle. Dès qu'elle va naître, non. Premier jour. On met d'abord l'autre là. Deuxième jour, on met l'autre. Oui, on met ça. Troisième jour, on met l'autre là. Non, troisième jour, on met l'autre là. Quatrième jour, on met ça. Comme il n'y a pas le rose, non. Les chiens, gardez-le. On va porter le même habit sur l'enfant tous les jours. Les chiens, comment? Les chiens, je peux faire comme ça, je conçois. Parce que moi, j'ai envie d'accoucher. Tu gardes l'autre là que mon enfant va porter. Qui est bien, François? T'as des ambitions bizarres, toi, la fille. Regarde ton œil qu'on a boxé, ça n'a même pas encore guéri. On n'est pas en train de parler de mon œil, nous sommes en train de parler des vêtements de l'enfant. Quand on quittait ici là pour aller au marché, Brenda, on était calé sur le fait que Roxane et moi on va cotiser pour que tu rentres au village, non? Il y a quoi maintenant que tu dis que tu vas accoucher? Hein? Elle n'a même pas l'argent, hein? Tu es souligné par l'argent. Toutes les ambitions qui te dépassent. Tu parles d'avoir bagarre avec une fille. Tu vois encore que la fille était comme Tata Kim. Les chiens avec les chiens. Arrête, je ne veux pas seulement faire l'enfant. Ouais, Brenda. Ah. Ne me crois plus. Mais c'est moi qui devais ouvrir ça. Oui, ne me fasse pas la vie de la bouche de l'enfant comme ça, c'est quoi? Mais c'est moi, non. Ah. T'as accouché, t'as pas d'enfant. Tu sors derrière avec l'enfant d'un ministre. Donc tu peux déjà accoucher. Tu as eu le bac. Oui. Si tu ne veux pas accoucher, tu me laisses. C'est pas comme ça. Elle ne connaît même pas. Ça va, alors c'est quoi aller? On écrit ma dear baby. Ah, Laetitia. Là, c'est ce qu'on appelle la sortie de bœuf. Tu connaissais? Oui, on connaissait. Quoi? La sortie de bœuf. Voilà le rose. Donc, ça, c'est quand elle sera déjà bien grande. Pourquoi vous avez appris ça maintenant? On a appris ça parce qu'il faut garder, il faut promouvoir. Oui. Oh, voilà les jolies machines. Attends, voilà, laisse ça, non, c'est comment? Elle français, elle va bientôt. Les tiges, je vais te dire que non, quand j'ai choisi ça, non. Il y avait, on dit qu'il y avait aussi ça, les trucs du bébé. Attends, les tâches, les couches du bébé. On a compris. Donc, et la brosse. Et... Ça va, on a vu. C'est venu complet, les tiges. Faut qu'on prend le foie. C'est joli. Il y a des tiges dedans. Ah, j'aime la tétine du bébé. C'est toi. Parce, regarde, parce normalement, on aurait dû prendre le bleu de ça aussi. Ce n'est pas un garçon, Laetitia. Ça fait quoi? Non, ça va. Après, ça va, je vais te montrer ça. Regarde ce qu'elle a pris. Regarde toi-même, regarde, je sais tirer. Et ça fait quoi? Tu vois comment? C'est moi qui ai choisi ça. Et ça fait quoi? C'est joli, non? Quand tu vas accoucher, tu n'as pas d'enfant. Va acheter tout ce qui est rose. Même si c'est un garçon, achète ce qui est rose. Quand c'est mon enfant, pardon, laisse-moi faire mes choix.
On va mixer. Toutes les couleurs du monde, on ne fait pas comme ça. On prend toutes les couleurs. On prend toi, toutes tes affaires ont une seule couleur. On prend une seule couleur pour le bébé. J'ai vu ça dans les films. C'est le rose que tu as vu. Dans un film. Donc, parce qu'elle voit trois scènes dans un film où l'enfant est seulement en rose. Pour elle, sa chambre était en rose. Il y avait les palettes. Il y avait les nounous roses. Il y avait le lit. Va accoucher là-bas. Roxane. Quand tu voudras accoucher, non, accouche même un enfant rose. Ça ne va pas créer un problème à quelqu'un. Ah ah. Rose. J'ai mal au sein jusqu'à. On va faire comme ça, on trouve l'enfant ça, en train de boire de l'eau dans les yeux de l'enfant. Toi, on ne peut pas te faire confiance. C'est pour le bébé. Regarde sa petite culotte sur toi. Moi, tu as bien choisi. Regarde la robe. On va passer. Ça, là, c'est quand il aura mis derrière 4 mois. C'est joli, les gros cafés. C'est joli. On va passer à la peignée. Maman, c'est ça le jeu des garçons ici là. Tu es vilaine. Tu es trop vilaine. On connaît même d'abord. Comment ça m'a déjà fait? Ça m'a la plus stressée les gens. Tu dors. On t'énerve pas dormir. Maman. Où de prendre les bonnes choses, vous prenez le jeu des garçons. C'est ton problème. N'a pas l'air en haut jusqu'à moi. Que va attirer mon enfant? Elle va briller comme ça là dans toute la maison comme le soleil. Faut pas seulement que la femme apprenne tes habitudes. Faut vraiment pas que la femme apprenne tes habitudes parce que ça sera grave. Aïe, c'est joli. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis juste en train de prévenir. J'espère que Dieu m'écoute. Pas ses habitudes, non. Les habitudes non. De qui? De Laetitia Jassy. Donc mon enfant doit prendre tes habitudes à toi. Les habitudes de bagarreuse. Qu'on pèse son œil. Je suis une bonne fille. Ah, tu le sais. C'est toi qui m'as transformée. Une bonne fille menteuse. Tu mens. Tu mens. C'est à cause de ça. C'est pas parce que tu sois avec un maigre ministre que tu vas me parler n'importe comment et fils de ministre. Il faut arrêter ça. Laissez mon fils de ministre tranquille. Il faut la respecter. Respecte avec le fils de ministre. Donc dorénavant, si il croit ça quelque chose, c'est que nous-mêmes on est. Ouais, laisse. Qui sait si tu ne prévois pas l'arracher. Qui sait? Je bloque. Bloque bien. Vous êtes d'abord tous des sorcières. Moi aussi. Oui. Moi j'arrache. Donc tu habites dans la maison du sorcier. Non, Laetitia, non, tu chopes mon chocolat, Gino. On a encore dit ça. Moi, on n'est pas oublié. Je vais même bientôt accoucher. Oui. Tu es toujours sur l'affaire là. Il ne faut pas oublier, Roxane. Elle va faire comme ça. Tu la trouves couchée ici un jour avec ton fils. Oui. Ah, voilà, c'est même pas d'avoir intéressé. Tout ce qui m'intéresse là maintenant, c'est mon enfant. Encore. Quand vous parlez des choses comme ça en présence de mon enfant, ça m'énerve. Ça m'énerve. Lis ça. Je ne lis pas. Sorry, I don't. Tout quiet. Regarde, il y a ce qu'il a jeté. Laetitia, tu installes les esprits dans la tête de l'enfant. Mon Dieu. Ha! Elle dit qu'elle ne fait pas doucement. Ouvre le place là. C'est ce qu'on a écrit là-bas, qu'elle ne fait pas doucement. Ici, il faut jeter la ville là. Un enfant ne brille pas doucement, c'est ce qui est écrit ici là. L'enfant va briller jusqu'à... On a parlé de briller dans... Non, on n'a pas de faire. Tu ne fais pas doucement. Briller. C'est joli. Ah, une fois qu'elle vient ici, je suis contente. On me traite toujours comme un machin. Ça me chasse, on me met à la porte. Heureusement que personne ne sait. Dès que tu finis, tu sors. On n'a même pas la compagnie. Je ne suis pas Kim. Il faut me respecter, ma chérie. Je ne suis pas Kim. Voilà. Et l'enfant la sera. J'étais prévenue, non. J'étais prévenue. Tu vas faire comme ça, tu trouves sa bouche sur le biberon aussi. Là. Tata Kim, il n'y a pas la nourriture. C'est qui? Elle n'a pas oublié. Moi, j'ai déjà un œil percé. Son père sur l'eau. Regarde, c'est quoi avec toi? C'est qui? Tata Kim, les mamies sont percées. Ah! Chérie. Business Reduction.